Nomeka. Elle est morte. Ah, ta gueule. Brofiste. J'ai pas compris Henri. Y'a que moi qui... Je comprends pas. C'est comme un truc très bizarre. Oui. C'est un roman d'amitié qui est en train de se lier entre les deux. Genki Dama pour Henri. Voilà. Ouais. Mais je veux pas de fist, moi. Non. Elle a quel âge, la gamine qu'on a sauvée, la duchesse? 14-15 ans. Oh, c'est sale. On est au Moyen-Âge, les gens. On est au Moyen-Âge. Où est-ce que le roi t'a recruté? Me dis pas dans les toilettes. Diamant brut à revendre. Comment? Non, mais... Hein? Oui, j'entends. J'ai dit une bêtise. Que je n'assume absolument pas. Ce que je donne à mon temple, moi. Nous aussi, ça s'appelle une auberge et ça nous fournit de la bière. C'est le temple du houblon. Du houblon. Qu'on vénère depuis fou, au moins. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et tu vois 5 hommes. Avait tout juste enfilé son armure. Les autres sont là et ils se saisissent de leurs épées. Hein, de leurs épées courtes. Hein, mais pas le temps de prendre autre chose. Hein, donc il y en a qu'un seul qui est en armure. Par contre, tu vois dans le fond de la pièce cet homme qui lui a l'air bien équipé. Ah! Bon, celui-là, il est pour Kéralt, celui-là. Ouais, tu vas t'occuper des grouillons que t'as mis leur armure. Ouais. Voilà. Sympa. Quelle est la widow? M'entends-tu? Ah, ouais, hein, bah. Les deux carreaux, hein, et. Il s'écroule au sol. C'est tout? Il y a Noré qui l'entame, moi je lui fais un gros coup, il y a Mouline qui l'achève, sans oublier toi qui l'affaiblis, ça va, le pauvre. Mais c'est pris 3 coups. Tout le monde lui s'est passé dessus. Salut les amis. Au revoir. Ta gueule, putain, salope. Putain, c'est violent. Séparons-nous, c'est plus sûr. Oui. Faisons 5 groupes de 1. C'est la meilleure stratégie. Ça pourrait rêver dans ma chambre. Ah d'accord. Ah, je rêve très bien dans votre chambre. Ah ouais. Des fois je rêve aussi dans la chambre de Georges. Ah bah. Eh bah c'est d'accord. Bon. Bah je vais vous laisser. Hein. Je vais aller dans ma chambre. Moi j'ai vu que j'ai mis en main, je suis à 27. Ok, donc bon, je pense que tu vas gérer en premier. Bah montre. Montre-la-moi ton initiative là, 27. J'ai 17 et j'ai une initiative de plus 10 parce que j'ai mes armes en main. Ouais, montre-la nous, grosse initiative. Tu mets dans divers ça, Willy. Avec plaisir. Oh, t'es pas noble, t'es paladin, mais t'es quoi lui? Non, c'était une blague. Non, d'accord. Pas noble, paladin. Ah! 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 D'accord. T'as de la concurrence, Clico, fais gaffe. Hein. Non, mais j'ai. Il y a une pelle dans mon équipement, c'est pour creuser à son niveau. Hein. Nous faire venir pourquoi? Il est con. Et, mais comme Mana est toujours dans les escaliers, bah, Willin et Colstead, bah, vous êtes encore coincés en bas. Je libère l'espace. Ok, ouais, ça marche. Je pensais pas que le fessier de Mana prenait autant de place. Ta gueule. Bah, allez, Mana veut me faire découvrir des plaisirs. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Qu'est-ce qui lui arrive, lui, Georges? Si je vous dis que c'est un scénar prévu pour des aventuriers niveau 9. On est à peu près moitié level, donc tout va bien. Tu m'étonnes que pendant tout le scénar, je me suis dit putain, mais quand même, vraiment l'impression de faire tâche là au milieu. Pour des niveaux 9.
bâtard. Même moi, j'étais pas niveau 9.